Alors, est-ce que c'est Seidel finalement qui serait en partance pour Sauber Audi? Après les départs de Binotto de chez Ferrari et Jos Capito chez Williams, Seidel semble être le prochain patron d'équipe à quitter son poste. Le patron de McLaren serait en train de partir pour Audi. En faisant ça, l'Allemand tournera le dos à McLaren après avoir dirigé l'équipe pendant 4 ans. Audi a annoncé plus tôt cette année son intention de lancer son propre moteur en 2026 en partenariat avec Sauber. Audi a longtemps envisagé de rejoindre la catégorie du sport auto, mais a laissé cette décision dépendre de l'acceptation ou non du règlement technique 2026. Entre autres choses, ce règlement abolit le MGUK, une mesure destinée à réduire les coûts d'entrée pour les fabricants comme Audi. Seidel a déjà de l'expérience avec la marque pendant son temps chez Porsche. Il a travaillé sous le groupe Volkswagen. Là-bas, il était le chef donc de l'équipe du championnat du monde d'endurance de la marque de Stuttgart. En Formule 1, Seidel est un acteur clé chez McLaren depuis son arrivée en 2019. Et avec le PDG Zak Brown, il a joué un rôle important de premier plan dans la stabilisation de l'équipe. L'Allemand a joué un rôle déterminant dans l'engagement d'Oscar Piastri pour 2023, un accord qui a été conclu grâce à une relation avec Weber par le biais du programme Porsche, WEC et Williams. Bref, alors est-ce que Seidel va partir dans cette équipe? Et qui pour remplacer Seidel chez McLaren si c'est le cas du coup? Ça va être le jeu des chaises musicales hein, cette saison, cette intersaison entre les patrons d'équipe, j'ai l'impression. Ça va être intéressant à suivre, ça ne fait que commencer. Allez, ciao!